J'ai encore pas dit la moitié de ce qu'il m'a dit le bon Dieu. Directeur d'induction d'énergie universelle. Le diable, je dirais maintenant, à notre époque, ça a changé. C'est numérique. Numérique, ça monte. Le diable, tu dirais, directeur d'intelligence artificielle, bernant l'esprit. Tu vois le truc? L'histoire du bateau de l'âme, l'histoire du truc, du machin, en fait, c'est dans l'espace-temps. C'est un truc, c'est compliqué, hein, faut pas croire. Mais ils sont pas ouverts d'esprit. Pas mal le filmier quand même. Comment tu veux dire ça? Au bon Dieu. Briquet est là. Qui pourra leur dire? Là, c'est moi. Comment je vais dire? J'étais un esprit dans une viande. J'étais pas une viande sans esprit. Que je me bourre la gueule, que je fume, hop, là-haut ils en ont rien à foutre. Tout ce que tu fasses ta mission sur Terre. Le plus pourri des prophètes, c'était Jonas. Il dit, bon, il y a la tempête, foutez-moi à la baille. Et là, il s'est fait gober par Moby Dick. C'est des images, c'est dans l'esprit. Il était gerbé sur une plage, comme ça. Va dire ta prophétie, connard. Et il est allé. Moi, je me claque pas. Hein. Qu'on m'a demandé, tu veux être prophète, apôtre ou disciple? Mais j'ai dit prophète tout de suite. Hein. Ils m'ont fait le camion à Coluche, d'ailleurs, dernier prophète non reconnu avant moi. Ils m'ont fait le coup du camion. Ils m'ont fait plusieurs coups. Mais c'est pour que ça serve de leçon. Pas mal le film d'hier, mais bon, c'est... Enfin, c'est pas mal quand même. Je suis venu au moins trois coups. C'est comme l'évangile de Jean. Et il dure 3h03 le film. Je crois 3h03min 41s plus un quatrain. Comme Nostradamus le jour, il y avait des quatrains partout. Bon, encore, c'était pas trop grave. Et par contre, je ne sais pas pourquoi. Ben si, je le sais. Je préfère largement deux vieilles gouines à deux vieux PD. Je ne sais pas pourquoi. Bon, ils sont pas vieux, mais ils vont passer. Il va passer là. J'en veux pas, chacun il fait ce qu'il veut de son trou du cul. Hein. Je m'en fous complètement. Mais quand même. De toute façon, j'aimais déjà pas les hommes. Maintenant, j'aime plus les femmes. Quand je vois la Sophie, catastrophe. C'est l'histoire des cachetons. Dès que tu mets quelqu'un qui boit sous cacheton, ça va plus du tout. Ils déglinguent tout le monde avec leur cacheton de merde. L'origine de Big Pharma, j'ai mis la photo des millions de fois, je vais la remettre ce soir. Ça veut dire ça. Le premier mec, il dit, j'ai une idée, droguons le peuple.
deuxième mec, il dit, ouais, j'ai une idée. Faisons en sorte qu'ils nous payent pour ça. Troisième mec, il dit, ouais, moi j'ai une idée, appelons ça le médicament. Soigner tout très bien par les plantes. Mais non, il faut de la saloperie industrielle chimique. Ça, pas du tout aussi histoire. Quand tu penses que la sécu et le chômage, même pas ça coûte 50 milliards par an, un truc comme ça. Par contre, la politique, ça coûte 420 milliards par an. Et c'est normal. Normal, docteur. Oh, docteur, j'ai mal à l'esprit. J'ai mon âme, ça va pas. Bon, du coup, je vais remonter, je t'attends. J'avais fait un super bon gratin, mais j'ai même pas faim. Sinon, j'ai des boules. C'est pas grave, on est toujours le 28-8. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous faites que de la merde sur Terre, toujours et encore. Total. En fait, papa, je suis content. Vous êtes bien devant Libre Service Riquier. Et à Total.